Merci, Fabrice Lucchini. Je voulais vraiment vous dire une chose, David. Ce n'est pas un compliment bidon. Je suis un passionné de télévision. Vous allez m'embarrasser. Pas tellement, parce que je suis un passionné de la 5. Je suis un accro à C'est dans l'air. Je me suis tapé C'est dans l'air avant de venir. J'ai adoré, sur les mille feuilles de l'administration, j'ai adoré le truc. Mais vous, je vous le dis honnêtement, France 2 doit être fière de vous. Vous faites un journal admirable. Merci Fabrice Lucchini, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes adorable. Jamel, est-ce que vous avez le trac? Je peux vous dire quelque chose, David? Allez-y. J'adore vos JT. C'est vrai, j'ai l'impression que vous êtes de ma famille presque. Vous venez dans mon salon plus souvent que mon oncle. Et c'est vrai que ça fait plaisir. J'ai vu toutes vos interviews avec Poutine, avec Sarkozy aussi, j'ai vu. Voilà. Vous étiez un peu, avec Sarkozy, vous étiez un peu... Un peu comment? Dubitatif. Un peu merdeux, moi j'aurais dit. Cela lui avait d'ailleurs été abondamment reproché, y compris parmi les salariés de France Télévisions qui, ce soir-là, n'étaient pas fiers de leur présentateur vedette. Monsieur Pilarache, vous êtes un journaliste trop sérieux pour se laisser aller à des formules. Laissez ça à d'autres. Laissez ça à d'autres. Et puis, à la pénibilité, ça n'existait pas jusqu'à présent. Dites-le, c'est une avancée sociale. C'est vrai, ça n'existait pas jusqu'à présent. Alors, tout le monde est à peu près d'accord, finalement. En tout cas, il y a un large consensus pour dire qu'il faut travailler plus parce qu'effectivement, on vit plus longtemps. Mais savez combien de temps? Depuis 1950... Pujadas a laissé Sarkozy dérouler sa com' sans sourciller, y compris quand celui-ci s'est laissé aller à raconter quelques conneries grosses comme lui. Au point que quelques-uns de ses confrères journalistes se sont fendus d'un article pour expliquer à David qu'il aurait eu plein de trucs à rétorquer pour remballer l'autre vendeur de tapis. L'article est long, c'est rempli de chiffres, c'est compliqué, mais lui, c'est quand même un peu son boulot de se pencher là-dessus. Sauf que justement, son boulot, il veut pas le perdre. Il est pas fou. Je sais pas si les plus jeunes d'entre vous se souviennent par exemple de ce qui est arrivé à Claude Sérillon. Il a connu plusieurs périodes où il était, je dirais, en haut de la pyramide, au journal de 20 heures, présentateur d'émissions spéciales, etc. Et puis, après 2001, c'était même pas un placard, c'était dehors, quoi. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. L'explication, cette interview pugnace de Lionel Jospin sur le chômage. Je pourrais vous reprocher, vous aviez dit la même chose pour Vilvoorde aussi. Vous aviez dit, c'est pas un fait acquis. Quand vous êtes arrivé au gouvernement, vous avez dit, je vais voir le dossier. Puis en fait, ça a été un fait acquis. Excédé, le Premier ministre prononce une phrase qui va faire la une. Il ne faut pas attendre tout de l'État. Soyons clairs, le Premier ministre et son chargé de com' d'alors, un certain Manuel Valls, n'avaient pas le pouvoir de virer Sérillon pour ces questions un peu trop mordantes. En revanche, ils ont décidé de boycotter purement et simplement France 2. Lionel était chouin-chouin, il ne voulait plus jamais voir Sérillon. Quant à Manuel Valls, plus sanguin, il est carrément allé jusqu'à appeler le directeur de la rédaction de France 2. Pour me dire, ce qui s'est passé hier soir était scandaleux. Claude Sérillon était agressif, il a posé de mauvaises questions, et donc c'est vraiment pas bien du tout. Et je lui ai répondu, c'était pas de mauvaises questions, c'était... des mauvaises réponses. Quelques semaines plus tard, les deux journalistes sont virés. Quand on sait qu'à partir de 2009, nous avons eu le droit à un président de France Télé directement nommé par le chef de l'État et que depuis la réforme de 2013, celui-ci est nommé par le CSA, dont le président est encore une fois nommé par le chef de l'État, on se dit que les liens entre les politiques et les rédactions sont plus que jamais étroits et que c'est pas vraiment payant de jouer au con avec des questions tordues. En témoigne le haut degré de sophistication de cette question made in Pujadas. Votre décision de nommer vous-même les patrons de l'audiovisuel public. Ça a été le cas à Radio France, ça a été le cas ces derniers jours à France Télévisions avec Rémi Flimelin. Est-ce que lorsque vous voyez la situation par exemple à Radio France et les polémiques incessantes, vous ne vous dites pas que cette nomination par vous-même finalement devient un poids à porter pour ces présidents dont, quelles que soient les initiatives, elles sont ramenées toujours à cette nomination originelle, autrement dit, le soupçon. Vous avez bien entendu, en gros, le fait que le président nomme directement le patron de Pujadas n'a rien de gênant pour France Télévisions, pour le débat public ou pour la démocratie. Non, ça doit surtout être dur pour ce pauvre patron. Les idiots pourraient le soupçonner de ne pas être impartial, mais vu sa position, Pujadas marche ici sur des œufs. Mais si on se met à sa place, on comprend son manque de pugnacité. On ne reste pas 15 ans à la tête du journal de 20h en faisant de la provoque. On n'est pas sur YouTube ou Twitter, là. C'est du sérieux. D'où sans doute le décalage ressenti entre les Français et les médias dominants. Ce côté focus a quelque chose de franchement agaçant. Voilà, nous voici à côté de David Pujadas. Il ne se rend pas au dîner du siècle, au Club des Puissants, l'endroit où se réunissent tous les derniers mercredis du mois les élites de ce pays, les hommes d'affaires, les grands patrons, et les responsables de l'information comme David Pujadas. Ah, apparemment... Bonsoir Monsieur Pujadas, j'ai l'honneur de vous remettre cette laisse d'or en récompense de votre statut de journaliste le plus servile de France. Vous êtes le roi des... Le roi des laquais. Oh non, vous êtes le roi des laquais.
Ces images sont connues, elles sont extraites du film de Pierre Karl, Fin de concession, une charge qui dénonce encore une fois cette proximité, cette consanguinité entre médias et politiques, une charge de plus contre les médias dominants, ceux que la gauche radicale n'a cessé de dénoncer depuis maintenant 20 ans. Qui est pour la continuité de la grève de 24 heures ? L'Assemblée générale des contrôleurs d'Austerlitz est unanime, la grève est reconduite jusqu'à lundi matin. En 1995, un vaste mouvement de grève ébranlait le pays et allait faire trembler un Alain Juppé pourtant droit dans ses bottes. Les journaux télé ne pouvaient pas ne pas en parler, la question était donc de savoir comment ils allaient le faire. Ce petit reportage est assez représentatif de ce qui passait à l'époque sur France 2. 30 secondes sont accordées au motif de la grève. Et si le mouvement est bien suivi, c'est que les cheminots s'inquiètent à la fois de la réforme de la Sécu qui menace le régime de retraite et du futur contrat de plan qui supprimerait des kilomètres de lignes et des emplois. C'est uniquement de la rentabilité, et on refuse d'admettre que la SNCF c'est avant tout un service public et qu'il joue un grand rôle dans l'aménagement du territoire. Et tout le reste de ce sujet de deux minutes sera lui consacré aux conséquences négatives de la grève pour les usagers. Ça fait longtemps que vous attendez ? Hier soir. On est arrivé par Orly. Alors pas de métro, pas de bus. Quand on consacre 2 à 3 fois plus de temps à évoquer les aspects gênants de la grève qu'à en expliquer les raisons, que voulez-vous que le spectateur en retienne ? C'est pour dénoncer ce genre de manipulation de l'opinion qu'a été mise sur pied en 1996 l'association Acrimed, Action Critique Média, qui depuis n'a cessé de pointer du doigt les biais idéologiques des producteurs d'information, leur enthousiasme envers les réformes libérales, leur mépris pour les mouvements sociaux ou les banlieues et le climat anxiogène qu'ils entretenaient. Cela a culminé en 2002, quand on a attribué la débâcle électorale de Jospin à l'omniprésence dans les JT des sujets favorisant le sentiment d'insécurité, et ce, durant toute la campagne présidentielle. Le pouvoir des médias, tous les éléments sociologiques de la réception le montrent, le pouvoir des médias n'est pas un pouvoir autonome, c'est un pouvoir conjugué avec d'autres pouvoirs, en l'occurrence par exemple avec le pouvoir politique, voilà, ou avec les pouvoirs économiques. On va dire comme ça provisoirement, c'est un pouvoir d'accompagnement, d'incitation, d'accélération, tout ce qu'on voudra. Ou de marginalisation. De marginalisation. On ne traite pas ce sujet. Absolument. Voilà. Bien, mais ils ne sont pas tout puissants et de toute façon, ils ne sont pas puissants tout seuls. Alors de nos jours, chacun est à peu près conscient de ça, du pouvoir des rédactions et des grands médias. C'est bien plus évident pour le public que ça ne l'était en 95. La critique des médias sur Internet est même devenue un exercice assez banal, très populaire à l'extrême droite d'ailleurs. Mais Le Monde, Libération, Paris Match, VSD, machin, c'est tout la même chose. Hein. Il n'y a aucune différence à part la maquette. C'est le même contenu idéologique. Voilà. Donc il n'y a d'opposition dans le monde des médias que le monde sauvage qui est sur Internet. Si je vous dis, un journaliste honnête est un chômeur, un journaliste qui gagne sa vie est une pute. Ou une salope. Ce qui fait de ces journalistes, grâce à une habile et élégante contraction, autant de journalope. Astucieux mot valise, celui-ci est un marqueur caractéristique de la critique des médias extrême droite. Les manifestants, et vous voyez, à part cet individu, globalement, les gens sont très pacifiques. S'il est dans la même phrase que Merdia, Gauchias ou Réinformation, ne cherchez plus le grand remplacement, le complot juif ou le complot bobo franc-maçon LGBT anti-France n'est plus très loin. Autre marqueur spécifique de la critique d'extrême droite, l'obsession pour la question de savoir qui finance qui. Mais par contre, ce qu'on peut faire remarquer, c'est que le journal L'Humanité, qui pourrait avoir trahi en fait entièrement le peuple de France et la vocation initiale du Parti communiste qui était de défendre les petits travailleurs salariés. Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Ces médias-là sont payés par l'impôt, c'est-à-dire par les impôts des Français. Dans cet exemple, la démonstration qui est faite est que c'est parce que l'UMA s'est mis à dépendre des aides de l'État qu'il a succombé à l'antiracisme, alors que le PCF d'antan savait être aussi raciste que peuvent l'être de vrais patriotes. Ce qui est d'autant plus con que des titres aussi largement subventionnés que Le Point ou L'Express continuent les unes anti-immigration depuis des années. D'ailleurs, même Valeurs Actuelles vivaient des aides de l'État jusqu'à ce qu'on les leur coupe en 2015. Mais il faut comprendre que le plus souvent, pour ces gens-là, il est inconcevable pour expliquer un comportement ou un fait de se dire qu'il n'est pas le produit d'une démarche consciente ou malveillante. À la droite de la droite, comme à la droite, on croit aux agents libres. Dès lors, s'ils trahissent, c'est qu'ils ont été soudoyés. Ce qui est logique quand on veut tout expliquer par le pouvoir des individus et des groupes, plutôt que par le poids des structures et des conditionnements. Mais ce qui conduit surtout à raconter pas mal de conneries. Savoir qui détient les médias, qui paye les salaires des journalistes n'est pas inintéressant en soi, c'est juste que c'est pas magique, ça n'explique pas tout. Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui parler du JT de Pujadas, et non pas de ceux des chaînes privées.
Parce qu'en effet, il y a un problème avec les journalistes dominants, peu importe par qui ils sont payés. Mais comment l'appréhender? Chacun sent bien que la grand-messe du JT manque à tous ses devoirs de neutralité, mais comment le démontrer? D'ailleurs, la neutralité du journaliste, cette espèce de mythe auquel croient souvent tout aussi bien les destinataires que les producteurs de l'information, est-ce encore quelque chose de crédible, quelque chose de souhaitable? Et si on devient trop critique, alors, à qui se fier? Je crois qu'il y a des médias, après c'est pas une question de se fier ou de pas de se fier. Je crois que ce qui est plus important que ça, c'est d'apprendre à lire les médias. C'est d'apprendre, si vous voulez, parce que, sauf à vous dire, bon, mais le média d'information générale qui dit la vérité, je pense que c'est pas ça, il n'y a pas de vérité. Il faut comprendre les logiques du travail journalistique. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire. Décrypter en tenant compte des logiques du travail journalistique. C'est un peu moins simple que tout expliquer par qui finance qui, mais on va y arriver. Donc ce que j'ai fait pour cette émission, c'est que j'ai regardé, pour de vrai, une semaine de JT de David Pujadas, et qu'on va se servir de cette base pour comprendre comment les médias façonnent l'opinion au jour le jour, par quel biais, parfois très subtil, parfois moins, ils arrivent à orienter notre vision du monde. Plutôt qu'une énième charge, une énième imprécation contre les médias, nous allons faire une étude de cas. Plutôt que de me perdre en généralité, je vais essayer de vous montrer quelques astuces et quelques outils pour pouvoir décrypter vous-même votre journal télé préféré. Aujourd'hui, pour changer, on va rentrer dans le concret. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, Salah Abdeslam a tenté de fuir au moment de sa capture. C'est ce que montre un document amateur. En France, le gouvernement ouvre le droit à un nouveau congé, 6 jours par an pour des actions de bénévolat. La première pierre d'une usine chinoise qui va créer 200 emplois dans la Meuse. Barack Obama, Raoul Castro, la poignée de main qui scelle la réconciliation. Dans ce journal également, rénover ou détruire, notre enquête sur l'une des plus grandes barres HLM de France. Et puis le dossier de cette édition. Les coulisses de la sécurité dans les avions. Bon, alors ça c'est le menu. Nous sommes le 21 mars et, soulagement, Salah Abdeslam est enfin arrêté. Excellente nouvelle donc, qui méritait bien l'ouverture du journal. Cet épisode vient conclure un narratif qu'on se trimballait depuis quelques mois, la fameuse traque des terroristes responsables des attentats du 13 novembre, remake à la française du storytelling américain autour de la traque de Ben Laden. Alors vous le savez, le titre qui fait l'ouverture du journal est considéré comme étant le plus important, celui dont on doit d'urgence vous informer avant de passer au reste. D'ailleurs là c'est top parce que cette arrestation est carrément spectaculaire, elle a été filmée. La scène dure moins de 3 secondes. Mais ne vous en faites pas, l'équipe de France 2 va malgré tout parvenir à vous tenir en haleine pendant près de 8 minutes juste avec ça, même si pour l'instant, il y a plus de questions que de réponses. Voulait-il s'enfuir? Souhaitait-il mourir sous les balles des policiers? Aujourd'hui encore, les policiers s'interrogent. Pourquoi Salah Abdeslam sort-il ainsi, casquette sur la tête, en courant? Voulait-il attaquer les policiers? Cherchait-il à mourir? Ou tentait-il, dans la confusion, de s'échapper, d'en sortir vivant? Puisqu'on n'en sait pas plus, on va répéter les mêmes choses, souvent. On va même jusqu'à faire un petit sujet sur la cellule qu'occupera certainement le terroriste. Vous saurez tout, y compris sur les matériaux utilisés pour le mobilier de la cellule. Tout sera détaillé, du lit aux étagères, de la vitre en plexiglas pour protéger la télé, aux chiottes dans lesquelles pissera l'homme le plus dangereux de France. Dernière précaution, les toilettes sont en inox, mais pas en céramique, dont les éclats pourraient servir à une tentative de suicide. Donc rien que le détail du mobilier, ça prendra une bonne minute, soit à peu près le temps accordé au sujet suivant, celui sur un projet de loi visant à créer un nouveau congé pour les salariés. Il existe 1 300 000 associations en France, et c'est vers elles que se tourne le gouvernement en proposant le congé engagement aux bénévoles. Et comme pour toute nouvelle mesure visant les salariés, le plus important est bien entendu de donner la parole, non pas aux salariés, mais aux chefs d'entreprise. Est-ce qu'on a imaginé 3 millions de salariés, mettons 30% seulement, sur la base de 6 jours et sur la base de 8 heures par jour, le nombre d'heures d'absence pour une PME? Qui fera le travail pendant l'absence du salarié? Ce projet de loi pourrait être présenté au Conseil des ministres dans les prochaines semaines. Cette intervention était la dernière de ce sujet très court, et là, c'est la place dans le sujet du témoignage du patron qui est intéressante, car c'est aux représentants des patrons que sera accordé le mot de la fin. Qui fera le travail pendant l'absence du salarié? On voit bien ici que le point de vue des salariés n'est même pas évoqué, pas plus que celui des bénéficiaires des services rendus par les associations. L'angle des journalistes est donc assez net. Alors le sujet suivant, c'est du caviar, puisque je l'ai rangé directement dans la catégorie communication politique. Ici, le journal de France 2 va nous servir de la pure propagande gouvernementale. Il vient ici, dans la Meuse, poser la première pierre d'une vaste usine d'éclairage LED. Un investissement de 100 millions d'euros, 200 emplois créés.
C'est formidable ça, 200 emplois créés. C'est positif, c'est bon pour l'opinion. Et c'est grâce au gouvernement. La preuve, El Blanco c'est là et c'est lui qui pose la première pierre. C'est symbolique, mais l'image est forte. C'est presque comme si c'était lui qui construisait les 200 emplois en fait. D'ailleurs, il sait que c'est une bonne image, ce sont ses services de com qui ont convoqué ici les journalistes, venus nombreux, et qui sont à présent tenus de produire un sujet, de parler donc de ce dont Manuel Valls avait envie qu'on parle, même si, bien plus que de l'information, il s'agit surtout ici de communication politique dont ils ne seront qu'un relais. Quand un ministre de la République pose la première pierre d'un ensemble scolaire ou d'un hôpital dont il a décidé la mise en chantier, il ne politise pas cette école ou cet hôpital. Alors cette astuce de l'inauguration ou de la cérémonie de la première pierre à laquelle les gouvernants invitent la presse, elle ne date pas d'hier, puisque comme vous allez le voir, on nous faisait déjà le coup sous De Gaulle. Désormais, chaque déplacement en province du général, et il y en a beaucoup, fait ainsi l'objet d'un sujet très détaillé, diffusé en bonne place dans le journal. Vive la cristallerie et verrerie de Bayel, vive la République, vive la France. Il y avait une expression traditionnelle à l'époque, on parlait de tout. Mais tout dépend comment on en parlait. Ce qui fait que, par exemple, un lundi matin, une grève des mineurs dans le Nord avec explication avec les forces de l'ordre, ça faisait 2 photos et 30 secondes. Par contre, l'inauguration d'une pissotière en province par un sous-secrétaire d'État, ça faisait 2 minutes 30. Et là, ce sujet sur les investissements chinois, il fait 3 minutes 10. Comme quoi, en termes de propagande, on n'a pas inventé grand-chose de nouveau. Mais voilà, les journalistes partent du principe que ça va nous intéresser. C'est à côté de chez nous. L'entreprise chinoise est prête à avancer jusqu'à 3 milliards d'euros pour financer les travaux dans les communes françaises. Ils vont changer les lampadaires. Ça va avoir un impact sur notre vie. C'est pas comme l'actualité internationale sur laquelle on passera 8 minutes. Mais pas 8 minutes sur un sujet comme pour le terrorisme, non. 8 minutes avec 3 sujets qui s'enchaînent, le charbon en Chine, Obama à Cuba et la politique nataliste de la Hongrie. Autant vous dire qu'on n'a pas le temps de s'attacher. Et ça c'est parce que les journalistes se disent qu'on s'en fout, que c'est loin de chez nous. Les gens parlent même pas la même langue, on peut pas s'identifier. Alors, si ça concerne une des régions les plus dominées du globe, comme par exemple l'Afrique subsaharienne, c'est pire que tout. Ces gens ne sont même pas blancs. En 1994, le Rwanda est en proie à un génocide spectaculaire, puisqu'en 3 mois, 800 000 Rwandais seront massacrés. Le journaliste de France 2 présent sur place au tout début des événements prévient sa rédaction qu'il se passe quelque chose. Mais voici ce que va lui répondre un de ses directeurs de rédaction. « Tu fais l'évacuation des Français et puis tu rentres. On n'est pas là pour faire des sujets sur des Noirs qui s'entretuent. De toute façon, ça n'intéresse personne. » Mais je me fous complètement des massacres, pas des massacres. Ah bon ? Non, complètement. Moi, ce qui m'importe, c'est la France. Le reste, je m'en fous. Voilà qui explique certainement pourquoi on a mis 12 jours avant d'entendre parler en métropole de la grève générale qui a paralysé Mayotte au cours du mois d'avril. Déjà que des Noirs qui s'entretuent, on s'en tamponne, alors des Noirs qui font la grève... Je vous rappelle qu'au JT de France 2, on peut, sans se faire corriger ou interrompre, sortir des trucs comme ça. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Ça... Face à l'indignation d'Harry Roselmack ou d'Audrey Pulvar, ainsi que face à celle de nombreuses personnes qui, sur les réseaux sociaux, interrogeaient l'absence de réaction d'Élise Lucet sur le plateau, celle-ci répondra qu'elle n'avait pas bien compris ou pas bien entendu ce que ce vieux monsieur disait. Ajoutant que si elle avait entendu ça, elle aurait bondi de son fauteuil. Le fait est qu'il règne dans les médias un certain entre-soi blanc qui n'aide pas à ce qu'on soit particulièrement vigilant face à ces questions. Surtout si les journalistes partent du principe, comme c'est souvent le cas, que les téléspectateurs sont de toute façon eux aussi tous blancs et tous un peu racistes. Alors maintenant que les sujets brûlants sont expédiés, on peut passer à la partie magazine du journal. Les sujets s'allongent, là il y aura 2 formats longs, un de 6 minutes 10 sur la sécurité dans les aéroports face à la menace terroriste, et un autre un peu plus court, mais assez bien foutu sur la rénovation d'une barre HLM à Clermont-Ferrand. Ça, c'est pour le quota de sujets dits sociaux. Ces sujets, parfois longs, parfois intéressants, souvent spectaculaires, sont là pour créer dans le 20h une certaine valeur ajoutée par rapport à ce qu'on peut trouver sur le net. Les gens, pour une moitié d'entre eux à peu près, vont venir au 20h alors qu'ils sont déjà informés des faits. Ils ont besoin d'une expertise, c'est-à-dire d'en savoir plus. Donc là, on rentre dans ce qu'on disait la contextualisation. On rentre aussi dans le commentaire. On rentre aussi dans la comparaison européenne, par exemple, pour citer des faits d'actualité en France. Tout cela, aujourd'hui, un 20h doit l'apporter, sinon il va mourir. Passons maintenant à la politique, puisque tout de même, c'était ce jour-là que le NPA avait choisi d'annoncer la candidature de Philippe Poutou à la présidentielle de 2017. Alors, ça n'était pas dans les titres du journal, ça n'est pas très spectaculaire, ça n'est pas de la com' gouvernementale ni du terrorisme, autant vous dire que ça a été vite expédié. Deux mots de politique, il était candidat en 2012, il le sera à nouveau en 2017. Philippe Poutou a été désigné hier soir par le nouveau parti anticapitaliste, ouvrier, représentant CGT à l'usine Ford de Blanquefort.
fort. Il avait recueilli 1,15% des voix il y a 4 ans. 17 secondes, pas de sujet filmé et on passe à autre chose. Pourquoi s'emmerder à parler des petits candidats quand la loi ne nous y oblige pas? Il faut des têtes d'affiche, il faut des gens qui aient, encore une fois, oui, de l'envergure, des gens dont on se dit un jour ils sont susceptibles de briguer le poste suprême de président de la République, c'est un peu ça. Pujadas parlait ici des invités à des paroles et des actes. Mais voilà comment il hiérarchise les acteurs politiques. C'est un peu pareil pour le journal. Si vous êtes une tête d'affiche, vous aurez plus de place. Même si vous ne faites rien d'intéressant. Même si par exemple, vous vous contentez de signer des bouquins sur un salon. Et puis l'œil du 20h, quand le salon du livre se transforme justement en arène politique. Écrire est très à la mode cette année parmi les candidats aux primaires à droite. Qui a gagné le concours des dédicaces, l'œil du 20h avec Damien Brunon et Valentin Cruard. Qui a gagné le concours des dédicaces? Ça, c'est de la vraie politique. En plus, le casting est cool, là, il y a des têtes d'affiche pour le combat dans l'arène. Juppé, Fillon, NKM, Copé, ça vaut bien le coup de s'attarder. Attention, voilà le moment impertinent du journal, c'est une toute nouvelle rubrique. Et qui s'appelle l'œil du 20h et qui va, j'allais dire, un peu au-delà des apparences, qui fait le contre-champ, ce que vous avez l'habitude de voir, les apparences. Ben, on vous explique un peu les cuisines, on vous explique un peu les coulisses, on va un peu au-delà, on va un peu plus loin. Et quand il n'y a plus d'amateurs de dédicaces, l'équipe d'Alain Juppé a tout prévu. Quand le candidat est seul et qu'il commence à trouver le temps long, en coulisses, un homme s'active. Vous ne l'avez pas vu? Attendez, on rembobine. Ce collaborateur d'Alain Juppé joue tout simplement les rabatteurs. Il vient de faire une touche avec cet homme à l'écharpe bleue. Il l'escorte jusqu'à la table de l'ancien Premier ministre. Alors moi, ça m'a rappelé direct le petit journal. On démonte les stratégies de com' des politiques pour les faire passer pour des blaireaux et on rigole bien, surtout quand on peut tirer sur les ambulances. Grosse séquence solitude pour l'auteur du sursaut français. Plus d'une heure de présence sur son stand pour moins de 10 dédicaces. Non, décidément, Jean-François Copé ne gardera pas un bon souvenir de son passage au Salon du Livre. Donc oui, en fait, ça pompe complètement le ton et la ligne du petit journal. Du coup, ça en a aussi les défauts. La politique se réduit très largement au petit journal à des coups de com' démontés. En fait, la politique, c'est de la com'. Et c'est une vision finalement très médiatique de la politique que de réduire la politique à la communication. Mais l'activité politique ne se réduit évidemment pas à la communication. Le temps passé aux médias, à la communication, à la médiatisation est certainement plus important, mais les politiques ne font pas que ça. Le petit journal, lui, ne s'intéresse qu'à ça. Les couacs, les petites phrases, les coups de com'. Sauf que là, normalement, on est dans un journal télé sérieux, pas une émission de divertissement. Et ce genre d'approche prend du temps. Un temps qui, en effet, pourrait être accordé à d'autres sujets. Le truc, c'est qu'avec Pujadas, il y a clairement une logique d'audience. Le marché de l'information, entre guillemets, est concurrentiel. Dans la presse écrite, dans l'audiovisuel, dans l'info en continu. Oui, bien sûr. J'ai regardé beaucoup d'interviews de Pujadas pour préparer cette émission, et dans chaque interview, il était question de l'audience du JT de France 2 comparée à celle de TF1. C'était systématique. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, vous faites plus de 5 millions 20 heures? Écoutez, alors plus de 5 millions, c'était le cas aussi l'an passé. Là, la nouveauté, c'est qu'effectivement, l'écart n'a jamais été aussi faible. L'écart avec le JT de TF1, bien sûr, avec la concurrence directe. Alors, que les audiences obsèdent les observateurs, les types comme Morandini, ça n'a rien d'étonnant. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'était d'apprendre qu'à France 2, on fait en sorte, chaque jour, que ça obsède toute la rédaction. Il paraît, dites-moi si c'est vrai, que le matin à France 2, on n'annonce pas le chiffre de téléspectateurs qu'on a eu la veille, on annonce le différentiel avec TF1. Et plus il est petit, plus on est content naturellement. On annonce les deux, mais c'est évident que le différentiel, il est important aussi, parce que vous avez deux journaux à la même heure qui se font concurrence. Alors tous les matins, on vous annonce votre différentiel, et lundi dernier, c'était le plus petit différentiel depuis 15 ans ? C'est ça, c'était deux points, et des poussières, et avec des courbes qui se sont croisées à la fin. Donc c'est sûr que ça va dans le bon sens. On est content. C'est à partir du moment où il y a privatisation, à partir du moment où il y a de l'argent qui rentre, à partir du moment où il y a une bagarre des annonceurs, tout se joue, tout se débloque. À partir du moment aussi, où, alors ça vient en surcroît, où vous avez les instituts de sondage, Médiamétrie, tous ces gens-là participent ensemble aux mêmes réunions et font pression et trouvent petit à petit que le présentateur il est trop vieux, il sourit trop, il fait ci, il fait ça, il parle trop de politique étrangère. On vous demande petit à petit d'avoir une stratégie commerciale
et non plus, je dirais, une sorte de regard, ou de rigueur plus exactement, de rigueur journalistique qui fait que vous faites une hiérarchie de l'information. Le tournant, je dirais, des années 90, fort, c'est qu'on passe de l'information à la communication. Ce que dit Cérion est important. Si on fait de la communication, alors ce sont les images qui sont intéressantes et non les faits. Dès lors, plus une image est spectaculaire, mieux elle sera reçue par la rédaction et plus elle aura de chances d'être diffusée. En témoigne la réaction de Pujadas face aux premières images des attentats du 11 septembre. 14h56, une première dépêche AFP vient de tomber. David, lui, n'est pas encore au courant. C'est en regardant les images à la télévision qu'il apprend qu'un avion a percuté une tour du World Trade Center à New York. On pense alors à un simple accident. Incroyable. Génial, c'est la première réaction à une information dont personne ne mesure encore les conséquences. On comprend mieux alors le choix de France 2 de mettre Pujadas à la tête du 20h au début des années 2000. À suivre la météo, Isabelle Martinet, le point rouge. Pujadas avait alors passé quelques années dans les rédactions de TF1 et de LCI. L'info spectaculaire, il connaissait bien. Il faut dire qu'il avait été formé à bonne école, puisque c'est un ancien élève du CFPJ, une prestigieuse école de journalisme. Si vous voulez en apprendre plus sur ces écoles et ce qu'elles enseignent, je vous conseille ce bouquin de Ruffin, Ruffin qui lui-même a fait un petit tour là-bas, avant d'en produire une critique acerbe. Moi, ce qui m'a surpris d'emblée, c'est l'absence de bibliothèque. Parce qu'on était dans la meilleure école de journalisme de France, sinon d'Europe, on nous disait, et il n'y avait pas de bibliothèque. Alors le centre de formation des journalistes, à l'époque où j'y étais, avait un conseil d'administration, et dans lequel il y avait tous les grands médias, je ne peux pas les citer, mais enfin il devait y avoir TF1, France 2, Le Parisien. L'objectif du CFJ, de l'ESJ, des écoles de journalisme, c'est de placer leurs étudiants dans des entreprises de presse. Et donc à partir de ce moment-là, il faut conformer au maximum les étudiants aux desiderata des entreprises de presse. Et donc les conformer aux attentes du marché. Le marché de l'information, entre guillemets, est concurrentiel. Et que veulent ces entreprises de presse? Faire de l'audience, bien plus que du journalisme. C'est bien évidemment cette logique de marché qui leur fait éviter les sujets complexes ou rébarbatifs, et c'est également cette logique de marché qui leur fait éviter de dire du mal du marché. Après tout, même quelqu'un comme Pujadas peut se faire virer. Et s'il est dégagé du service public, où ira-t-il? Sur le marché privé de la presse, celui d'où il vient. Peut-être retournera-t-il chez Bouygues, à LCI ou TF1? Peut-être sera-t-il embauché par Lagardère sur Europe 1 ou par Bolloré chez Canal+, ou iTélé? Comment s'étonner dès lors que, comme on l'a vu tout à l'heure, l'avis des syndicats de patrons soit plus relayé que le point de vue des salariés? En dernier sort, c'est auprès de ses patrons, de ses grandes fortunes, qu'on viendra, plus tard, chercher un emploi et un salaire. Pourquoi aurait-on besoin d'avoir à soudoyer des journalistes un par un, quand il suffit de les plonger tous sur un marché qui va leur faire adopter d'eux-mêmes les logiques professionnelles qui seront les plus saines pour leur carrière? Et voilà comment ce 21 mars 2016, alors que le mouvement contre la loi El Khomri a gagné de nombreuses facs et que de nombreux lycées sont eux aussi bloqués, il n'en sera pas dit un seul mot au journal de Pujadas. Et ce même soir, à 20h30, au moment où sera en train de se terminer le sujet sur la sécurité dans les aéroports, des étudiants de Tolbiac se mettront en mouvement dans un Paris somnolent, fatigué et captivé par un JT qui rassemble chaque soir près de 5 millions de téléspectateurs. Il n'en sera bien entendu pas question dans l'édition du lendemain, et pour cause. Bonsoir à tous. Le mardi noir de la Belgique, 34 morts au moins et 200 blessés, c'est le bilan du double attentat qui a frappé Bruxelles. L'aéroport puis le métro ont été visés à moins d'une heure d'intervalle. Un deuil de 3 jours est décrété, des milliers de personnes sont dans les rues pour un hommage spontané. En effet, le 22 mars, c'était les attentats de Bruxelles. Difficile dès lors de poursuivre le travail que j'avais amorcé, à savoir mesurer la place accordée à chaque sujet. Voyez par exemple le petit camembert que j'avais fait qui montrait que la veille, 14 minutes avaient été accordées au terrorisme, 5 minutes 30 à de la communication politique, 8 à de l'international et 6 minutes 30 seulement aux sujets sociaux. Alors en soi, un seul camembert ça ne veut rien dire, je voulais le faire sur toute la semaine, mais tout le journal de ce soir sera bien évidemment consacré au terrorisme, ainsi que tout le journal du lendemain d'ailleurs. Du coup, je devais repenser mes catégories, et voici ce que j'ai fait. Sur les attentats, la rédaction de France 2 a décidé de faire un journal plus long que d'habitude. Une édition spéciale avec un ministre, un petit drapeau et plein de petits sujets. Or, il y a différentes manières de traiter cet événement dramatique. Et depuis le matin, les journalistes présents ou non en Belgique s'étaient activés pour produire dans l'urgence autant de petits modules qui se déclinaient essentiellement selon 6 registres différents qu'on va essayer d'identifier. Voici les 3 suspects. Cette image a été diffusée par la police. Elle est issue de la vidéosurveillance de l'aéroport.
on y voit trois hommes, plutôt jeunes. Ils poussent des chariots à bagages. Et un détail attire l'attention. Deux d'entre eux, ceux qui sont habillés en noir, portent un seul gant à la main gauche. Ce sujet-ci, par exemple, est typique du traitement de type policier. Le spectateur est mis à la place des enquêteurs. On zoome sur des photos comme dans Les Experts, on fait des conjectures et on diffuse des portraits robots. C'est anxiogène, mais ça marche bien. 10 minutes 30 de cette édition spéciale seront consacrées à des sujets de ce genre, même si, à cette heure-ci, on ne sait pas encore grand-chose. Plus spectaculaire encore, on peut raconter la même histoire, mais dans un autre registre, celui cette fois du film catastrophe. Ce couple se relève difficilement. Mais d'autres ne bougent plus, paralysés par la peur. Certains ne savent plus quoi faire. Il s'agit là de montrer les dégâts, montrer la panique, montrer la peur. Ces sujets n'expliquent rien, ils témoignent de la violence, ils nous la font ressentir, nous mettent cette fois à la place des victimes. 7 minutes 30 y seront consacrées. Pour expliquer, produire du discours, communiquer, on fait alors appel aux meilleurs, les politiques. Ministres, responsables de premier ou de second plan, ils ont tous leurs petits mots pour les victimes et leurs messages à faire passer. On leur offrira en tout 12 minutes 30. Nicolas Sarkozy, lui, a annulé une réunion politique qui était prévue ce soir devant les sénateurs de son parti. L'ancien président évoque les attentats. On est saisi d'effroi une nouvelle fois par la brutalité, la sauvagerie, la barbarie de ces attentats. Personne n'est à l'abri. Ça va demander une prise de conscience quant à la fermeté de notre réponse extrêmement rapide. Mais l'angle le plus utilisé, 19 minutes en tout, ce sera l'angle sécuritaire. Celui-ci nous met cette fois à la place des responsables de la sécurité, des autorités. Qu'aurait-il pu faire? Et d'ailleurs maintenant, quel dispositif sécuritaire mettre en place dans l'urgence? Des dizaines de militaires et policiers, armes lourdes à la main. Cet après-midi, certains quartiers de Bruxelles étaient en état de siège. 225 militaires supplémentaires ont été déployés dans toute la ville. Ces sujets servent à rassurer la population. Après le choc de l'attentat, vient le temps de la reprise en main de la situation. Cette omniprésence des forces de l'ordre dans les rues est d'autant plus acceptée qu'elle est montrée après des images de chaos. On pose le problème, puis la solution. Le lendemain, le 23 mars donc, un sujet sera particulièrement marquant pour les téléspectateurs. Après avoir rediffusé les images du carnage de la veille, l'équipe de France 2 proposera un sujet sur la sécurité dans les aéroports. Encore un. Des attentats qui ont secoué l'Europe tout entière, les 28 ont-ils tout fait pour faire face aux défis terroristes? Un débat a ressurgi très vite, on l'a entendu dès hier, il porte sur le PNR, le fameux fichier international de passagers où les données sont réunies et mises à disposition de chacun. Sa création est programmée, mais le Parlement européen s'y oppose. Pourquoi? Voici les arguments des uns et des autres. Maryse Burgot, Denis Sébastien, Éric Jacquin. Le titre du reportage est éloquent. Toujours pas de fichier, avec un point d'exclamation. C'est à se demander ce que fait le Parlement européen. Vous allez voir que la ligne éditoriale du journal épouse ici élégamment celle de notre Premier ministre. Chacun doit prendre ses responsabilités. On a assez perdu de temps sur cette question. Le coup de gueule vise donc son propre camp, car certains, dans sa majorité, considèrent que ce texte illustre une dérive sécuritaire. Le PNR, un fichier qui permettrait de connaître l'itinéraire des voyageurs, leur éventuel passage par la Syrie par exemple. Leur nom, bien sûr, leur adresse électronique. Ont-ils payé en liquide ou par carte bancaire? Ont-ils demandé un repas particulier, halal ou cachère? Quel siège occupaient-ils? Avaient-ils des bagages? Un texte auquel les députés écologistes s'opposent au nom des libertés individuelles. Je pense que ceux qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale ou ceux qui ont vécu en Allemagne de l'Est, ils savent ce que surveillance veut dire. Surveillance de masse. Mais que valent ces arguments quand tout le journal durant se sont succédé ces images violentes, angoissantes, qui n'auront pas manqué de produire leurs effets sur notre petit cerveau, comme nous l'explique Michel Desmurgés, neurologue, qui se base ici sur une étude portant sur les spectateurs de l'attentat de Boston. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont comparé des gens qui ont des troubles du sommeil, qui sont venus consulter pour des troubles du sommeil, des troubles de stress après cet attentat, et ils ont comparé des gens qui étaient sur le site avec des gens qui ont vu le truc à la télé. Et les plus stressés, c'était pas ceux qui étaient sur le site, c'est ceux qui l'ont vu à la télé. Voici un exemple typique de la manière dont la logique spectaculaire des médias peut influer sur notre perception et sur nos choix, y compris nos choix politiques.
Revenons à l'édition spéciale du 22 mars et abordons une autre manière de traiter le sujet du terrorisme, qui fut usé jusqu'à la corde à l'époque des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Cette fois-ci, le but n'est plus de montrer la violence, la panique, la colère, mais de montrer la tristesse. C'est l'angle instant émotion. Des dessins, des mots en couleur qui tranchent avec le noir du bitume. Devant la Bourse de Bruxelles, la rue est devenue un immense mur d'expression, l'émotion des Belges. Supporter les gens qui sont des victimes du terrorisme ici à Bruxelles. J'ai écrit Snif et Aïe. Après le choc, le recueillement, quasi religieux et logique. Et il offre aux médias de belles images. Le 22, déjà, nous aurons ainsi le droit à 7 minutes de bougies et de grands mots écrits à la craie. Entendons-nous bien, je suis pas inhumain, je suis pas pour qu'on passe tout ça sous silence, mais si j'ai tout mesuré, c'est juste pour qu'on puisse examiner dans quelles proportions sont utilisés tel ou tel traitement. 7 minutes sur une heure, ça n'est pas catastrophique, mais quand on met ça en relation avec les 4 pauvres minutes accordées à la véritable analyse géopolitique de la situation, c'est là que ça devient un peu plus inquiétant. Et la question, la solution ne peut pas être uniquement sécuritaire. Elle est d'abord politique, parce qu'on ne peut politique pas... Politique en Syrie, vous voulez dire. Politique en Syrie, politique ici. Mathieu Guider est islamologue, spécialiste de géopolitique et du monde arabe en particulier. C'est un universitaire assez proche du pouvoir et du ministère de la Défense dont il a été salarié. Cela n'est évidemment pas précisé, mais le fait est qu'il a été le seul à produire une analyse qui prenne un peu de recul sur les événements. D'ailleurs, il a été le seul à rappeler ceci. Il faut voir, le contexte général, c'est nous bombardons dans certains pays... Les gens fuient. Je vous assure que c'est le seul moment du journal, c'est même le seul moment dans toute une semaine de journal durant lequel ce fait, simple mais important, sera rappelé. L'État français bombarde actuellement les territoires occupés par Daesh. J'ai fait quelques recherches pour en apprendre plus sur ces bombardements et leurs conséquences. Il est très difficile de trouver quoi que ce soit. Ce n'est pas un sujet sur lequel le gouvernement a envie de communiquer. Vous n'en saurez donc rien, ni chez Pujadas, ni ailleurs. Et surtout, le problème, c'est que j'y reviens à la question des bombardements. Les bombardements font énormément de pertes dans les populations civiles, sont utilisés par l'État islamique pour justifier son discours de libérateur, de sauveur de ces populations qui, malheureusement, de manière indistincte, sont tuées dans ces bombardements. Et surtout, nous n'avons pas de volet politique. Myriam Benrad, politologue et spécialiste de l'Irak, le rappelle constamment, ces bombardements sont un vecteur d'engagement puissant qui aide Daesh à recruter, à radicaliser, là-bas comme ici. Il faut voir que ces attentats sont vus par Daesh comme des représailles face à ces bombardements. Nous sommes encore dans un terrorisme de représailles. Pour les bombardements qui sont effectués en Syrie. Pour les bombardements, que ce soit par les Français, par les Belges ou par d'autres. De là à dire que plus nous bombardons, plus nous essuierons d'attentats, il n'y a qu'un pas qui ne sera en tout cas jamais franchi dans le JT de Pujadas. JT qui nous présente des problèmes, des conséquences, sans jamais remonter aux causes de la situation actuelle. Je renvoie d'ailleurs ceux et celles qui souhaiteraient en apprendre plus sur la naissance de Daesh aux émissions dans lesquelles est intervenue Myriam Benrad, comme cet excellent plateau de Mediapart intitulé « Irak, aux origines du djihad moderne ». Donc, bilan de cette édition spéciale, un tiers du temps aura été accordé à l'aspect sécuritaire, 6% du temps aura été consacré à de l'analyse, et le reste, c'est du spectaculaire, du récit policier, de la com politique et de grandes émotions, bref, ce qu'on appelle dans le jargon de l'infotainment. Ce qui nous est dépeint dans ce type de JT, c'est un monde dangereux, jusque dans nos assiettes. Nous ne disons pas que les JT sont mensongers, mais plutôt qu'ils déforment. Le montage, les commentaires et surtout le choix des sujets sont davantage tournés vers la menace, la régression, la tragédie, le spectaculaire, l'entertainment. Tout est fait non pas pour informer le téléspectateur, mais pour capter son attention via des émotions souvent liées à la tristesse, la colère, la peur. Selon Jepner, la consommation de ce type de médias engendre par acculturation une distorsion de notre propre vision du monde. Il y a en effet un véritable décalage entre la réalité et ce que nous présente la télévision. Suite à cette semaine éprouvante, j'ai décidé de choisir une autre date pour mon petit exercice critique et d'attendre un peu. J'ai donc innocemment choisi la date du 31 mars, journée nationale de mobilisation contre la loi dite El Khomri. Des manifs partout, la nuit debout qui démarrait le soir même et qui était annoncée, aucun attentat depuis la dernière fois, j'espérais donc avoir le droit à un journal spécial. Faut croire que j'étais un peu naïf. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, Salah Abdeslam sur le point d'être transféré en France. La justice belge donne son feu vert. Le seul survivant des commandos du 13 novembre se dit prêt à livrer des informations. Dominique Verdaillan sera en direct. Pas d'accalmie contre la loi El Khomri. La mobilisation est en hausse dans les manifestations partout en France. Deux nouvelles journées d'action sont planifiées. Des rassemblements marqués aussi par des incidents.
le branle-bas de combat de la justice contre les escroqueries financières sur Internet, la nouvelle provocation de Donald Trump. Dans ce journal également, 80 ans après, le géant est de retour, premier vol public pour le dirigeable nouvelle génération. Et puis le dossier de cette édition sur l'énigme de l'intuition, on l'appelle le sixième sens. Bon, bah raté. Déjà, on ouvre sur le terrorisme. 3 minutes sur le transfert de Salah Abdeslam vers ses fameuses nouvelles chiottes en inox. Dernière précaution, les toilettes sont en inox. Avant d'avoir enfin quelques images des manifestations. 5 pleines minutes leur seront accordées, dont, c'est assez rare pour être souligné, 1 minute sur un cas de violence policière difficile à passer sous silence, maintenant que la vidéo a tourné de partout. Eh bien écoutez, oui, écoutez David, le policier en question considère visiblement son coup porté à ce jeune lycéen comme étant légitime et justifié. Il se défendrait en expliquant qu'il s'agissait d'un geste technique. Bien sûr, on n'entendra ni la victime, ni ses amis ou sa famille, juste la défense du policier. Ces images violentes font suite à d'autres images, comme en 95, sur les conséquences fâcheuses du mouvement social. Les conséquences de cette grève, des perturbations dans les transports et des kilomètres de bouchons aux abords des grandes villes, images ici des accès. C'est à Paris ce soir, image aussi de la cohue sur les quais du RER notamment, image tournée il y a quelques instants par Chloé Cormerie. Et puis, des dizaines de lycées ont été fermés ou bloqués, les élèves étaient nombreux dans les cortèges avec des incidents en fin de manifestation. Marc de Chalvron, Mathieu Baudouin avec nos bureaux en région. En marge du cortège ce matin à Paris, jets de projectiles et fumigènes. Dans le centre-ville de Rennes également, des incidents. À Nantes, une dizaine de casseurs a été interpellée. Autant vous dire qu'avec tout ça, il restait plus beaucoup de place pour parler de ce qui animait le mouvement. Des revendications des manifestants, de l'état de ras-le-bol social qui semblait ce jour-là secouer toute la France. Faire basculer le capitalisme tel qu'il est, parce qu'il est destructeur des liens sociaux. Moins de travail pour moins cramer les gens, du travail pour tous. Et les médias indépendants, c'est super important. On n'est pas égaux face aux études supérieures. T'as des jeunes qui sont obligés de travailler, qui peuvent pas se concentrer sur leurs études. Quand tu vois autant de monde qui se bouge pour un seul texte de loi qui n'est même pas sorti encore, ça montre qu'il y a un truc qui va pas et qu'il faut faire quelque chose. Je pense qu'il y a un gros ras-le-bol général par rapport à la façon de fonctionner notre gouvernement. Ouais, ça fait du bien de voir ça. Autant de gens, ça fait du bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. C'est tout le monde qui est visé, c'est pas une partie de la population ou quoi, c'est tout le monde qui devrait être là à ouvrir sa gueule. Mais quitte à parler de la loi El Khomri, pourquoi ne pas accorder un petit sujet à la parole gouvernementale ? Le gouvernement affirme qu'il y aura un geste en faveur des PME sur les critères du licenciement. Magali Boissin, Julien Duponchel, Éric Delagneau. Aider davantage les PME quand elles sont en difficulté. Le gouvernement et les députés pourraient modifier la loi El Khomri pour permettre aux petites entreprises de licencier plus rapidement. Nickel, ils ont tout compris à ce qui est en train de se passer dans la rue. J'imagine que le téléspectateur moyen aussi, du coup. Là, on pourrait presque s'imaginer que cette inflexion du gouvernement était réclamée à corps et à cri par les manifestants. Il aurait d'ailleurs été intéressant d'avoir leur avis sur ce beau geste de l'exécutif. Mais il n'en sera rien. Je vous laisse deviner à qui sera accordé le mot de la fin de ce petit sujet d'une minute trente. Adapter les effectifs, c'est un impératif pour ce patron de PME spécialisé dans les lampes LED. Attendre 4 trimestres avant de licencier, c'était, selon lui, mettre en danger sa trésorerie. 4 trimestres, c'est trop long. 2 trimestres, c'est déjà une période longue à l'échelle d'une petite entreprise. Lorsqu'une entreprise est petite ou moyenne, elle a besoin de pouvoir réagir très vite. Et ce sera tout pour ce jour-là. On ne reparlera plus de ces dizaines, de ces centaines de milliers de personnes dans les rues. En effet, ce jour-là, il y a un sujet bien plus important, la mode islamique. C'est la nouvelle polémique du moment. Plusieurs grandes enseignes, comme H&M, Uniqlo ou Marks & Spencer, propose pour la première fois des collections de voiles ou de tenues traditionnelles. La ministre chargée des droits des femmes, Laurence Rossignol, se dit choquée. D'autres voix s'élèvent. Clémence Delabaume, Julien Ababsa, Camille Lemeur. Une femme voilée dans une récente pub H&M, une grande marque de prêt-à-porter. Alors certes, le temps consacré à la manif est plus important que celui consacré par exemple à ce dirigeable en forme de cul. Mais il se fait battre de 30 secondes par ce magnifique sujet inspiré des gesticulations de notre ministre Laurence Rossignol, qui, alors que le pays entier parle de la loi travail, semble elle particulièrement obsédée par la question du voile. La ministre des droits des femmes crie au scandale. Pour elle, vendre des tenues islamiques, c'est se rendre complice de l'enfermement de la femme. Même condamnation chez les féministes qui craignent la banalisation du voile.
Le danger, c'est de glamouriser le voile et donc de faire oublier toutes les connotations qu'il y a derrière. Le pompon, évidemment, c'est de montrer une porte-parole d'oser le féminisme et de dire que les féministes sont d'accord avec la ministre. C'est oublier de dire qu'elles ne sont déjà pas d'accord entre elles. Il se trouve justement d'authentiques féministes pour défendre le droit des femmes à porter ce qu'elles veulent sur la tête. C'est extraordinaire quand même que dans cet ensemble de pays riches, hein, la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, hein, que nous n'ayons pas pu trouver un symbole de l'oppression des femmes et qu'il ait failli nous tourner vers les enfants d'immigrés pour trouver un symbole de l'oppression des femmes. On leur demande décidément beaucoup. Hein. C'est les féministes qui craignent la banalisation du voile. Encore un point plutôt biaisé par le reportage, biais dont on se demande s'il tient à la malhonnêteté de l'équipe de France 2 ou à un manque de connaissance du sujet traité. Je me souviens d'une jeune stagiaire de France 2 qui m'appelle et qui dit bah « voilà, c'est très simple, pour demain on doit faire un reportage sur les trafics d'armes dans les banlieues ». Et donc je mets la place de cette jeune fille qui doit, pour le lendemain du 13h, faire un reportage sur les trafics d'armes dans les banlieues. Et évidemment, ça ne va pas sortir quelque chose de bon. Alors ça donne des bidonnages, effectivement, des faux trafics d'armes, parce qu'on n'a rien trouvé d'autre, parce que ça donne évidemment des visions complètement délirantes. Bon. Beaucoup des erreurs, des imprécisions ou de la médiocrité des sujets vidéo proposés par le JT sont en effet explicables par les conditions de production de l'information. Pour un Pujadas bien assis et bien payé, combien de petites mains, de CDD et de stagiaires sous pression courent dans tous les sens pour satisfaire aux exigences de la direction de rédaction? C'est cette pression qui explique par exemple le recours systématique au micro-trottoir, degré zéro de l'information, mais très facile à produire. J'en ai compté 17 rien que pour cette édition du 31 mars, tout sujet confondu. C'est une petite voix à l'intérieur de nous qui nous aide à prendre les bonnes décisions. J'ai le sentiment que c'est là où il faut que j'aille. D'ailleurs, il m'est arrivé une fois d'être alpagué pour un de ces micro-trottoirs, une de ces interviews sauvages de mecs random. Alors le sujet c'était « Les mégots par terre dans Paris, ça fait crasse-pouille, le maire de Paris veut mettre des amendes à ceux et celles qui jettent leur clope n'importe comment, qu'en pensez-vous? Vous avez 10 secondes. » C'est une habitude, si moi je jette mon mégot aussi, hein. Même quand il y a des cendriers. Bah, vous dites une connerie, fatalement, n'importe quoi, ce qui vous passe par la tête. Et j'aurais sans doute répondu autre chose si j'avais eu ne serait-ce que 20 minutes pour me documenter ou réfléchir sur le sujet. C'est dire le crédit qu'on peut accorder à ce genre d'opinion piochée, certes au hasard, mais surtout sur le vif, dans une urgence qui fait écho à celle dans laquelle les journalistes bossent. J'ai été interviewé par France 2 vers 11h, et le sujet était prêt pour le journal de 13h du jour même, ce qui vous donne une bonne idée des cadences auxquelles sont soumis les employés de la rédaction. Résumons, on a vu qu'on a beau être sur le service public, la rédaction de France 2 applique les mêmes principes que le secteur privé. Même les journalistes qui voudraient faire du bon travail ne le peuvent donc pas à cause de ces logiques d'audimat, à cause de ces logiques professionnelles qui font que ce serait contre-productif pour leur carrière. De même, il serait crétin de la part de Pujadas de faire autre chose que de l'allège quand il va chez un président, ou de ne pas brosser le patronat dans le sens du poil s'il veut retrouver un travail auprès des gens comme Bouygues, Bolloré ou Lagardère, qui sont, dans ce secteur, les principaux pourvoyeurs d'emplois. Vous noterez qu'à présent, on comprend un peu mieux les journalistes, mais on les comprend comme autant d'acteurs sociaux, qui évoluent au sein de structures complexes, qui leur laissent peu de marge de manœuvre. Bien moins de marge de manœuvre que ce qu'ils avouent eux-mêmes, surtout lorsqu'ils invoquent la sacro-sainte liberté de la presse, celle qui est tellement Charlie. Attention, moi j'ai rien contre la liberté de la presse, mais si on veut une presse qui soit libre, y compris de faire autre chose que de taper sur les musulmans, il va falloir s'en donner les moyens. Il va falloir qu'on finisse par avoir bel et bien des journalistes qui se réapproprient leur outil de travail. Mais effectivement, dès lors que vous n'avez pas cette réappropriation, je pense, du débat démocratique à l'intérieur même des structures de presse, ce qui veut dire mettre en question la question de la hiérarchie dans les structures de presse, ce qui veut dire mettre en question sans doute la propriété de la question de la presse, ce qui veut dire les possibilités des contre-pouvoirs à l'intérieur même des rédactions, etc. Vous imaginez si les petites mains du JT pouvaient envoyer balader leur chefferie quand celle-ci leur impose un sujet débile à faire dans des délais intenables? Si les journalistes pouvaient proposer, mais surtout imposer, leur sujet à la rédaction et à Pujadas? Et on voit bien tout ce que cela suppose. Ça suppose des journalistes moins précaires, des rédactions plus démocratiques, un marché des médias qui ne soit plus, comme aujourd'hui, dominé par les capitaines d'industrie de ce pays, un secteur assaini dans lequel les journalistes pourraient évoluer sans se dire que leurs opinions ou leurs combats pourraient porter préjudice à leur carrière. En attendant, que faire du JT de France 2? Ben moi je dois avouer que je l'ai trouvé plutôt intéressant. Il nous renseigne en effet très bien sur les préoccupations et l'opinion des journalistes dominants parisiens, plutôt proches du pouvoir politique et économique. Et c'est tout ce qu'il faut en attendre. L'histoire du mouvement ouvrier ne s'est jamais séparée de la construction de modes alternatifs d'information ouvrière. Lorrain Cœur d'Acier, la première chose qu'ont fait les métallurgistes lorrains quand il y a eu les radios libres, c'était de fabriquer leur propre radio. Les journaux comme l'Humanité à l'origine, c'est
des journaux qui étaient conçus non pas pour prendre le point de vue du patron et le point de vue de l'ouvrier et dire bon, on va faire un mélange des deux. C'est pas ça du tout. C'est à un moment donné d'assumer des médias, c'est-à-dire que tout mouvement social peut assumer ce type de médias. Quant à Pujadas, peut-être gagnerait-il lui aussi à assumer de porter un point de vue situé socialement. Nous, en tout cas, nous avons beaucoup à gagner à arrêter de croire à son objectivité, à sa soi-disant neutralité journalistique. Mais Pujadas n'est pas le problème. Changez-le, mettez n'importe qui à sa place, même armé des meilleures intentions, et vous obtiendrez le même résultat. Sauf, bien sûr, si, à force de résister aux pressions et aux injonctions de son milieu, il ou elle finit par se faire virer. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'on peut souhaiter à notre Pujadas national. De quoi on parle par là, à part de la dernière perle de Carla, voire de la dernière star d'être à la mode, en voici, en veux-tu, en voilà, tout sauf Nubil et par la villa. Les médias commentent immédiatement tout ce qu'elle dit d'affligeant, comment elle s'habilla. De sa dernière lubie jusqu'à Sofiane, et ce qu'elle lui dit, on connaît mieux sa vie que la Libye de la France pour aller en Libye, puis au Mali. À qui est-ce qu'on se fie pour le connaître? Est-ce qu'on se dit que ce qu'en dit la chaîne de Bouygues peut être honnête? Au fait, de quoi on parle? Des faits divers, des agressions, ou du fait que ces faits divers ils servent à faire diversion? Mais quand Bourdieu l'expliquait à la télévision, c'était à une heure où y'avait plus personne pour mater l'émission. De quoi on parle sur les plateaux des talk shows? Ça me choque trop, toujours les mêmes experts qui nous désespèrent et se bornent aux analyses erronées. Mais le plus étonnant, c'est que personne ne les reprend ni ne leur crie au nez. Sans déconner, de quoi on cause au JT d'agité qui dit du shit et habite en cité? Sans jamais examiner l'écho sans cogiter, l'idée c'est d'expliquer les faits parfaits qu'ils sont excités. De quoi on parle à la une du Point et de l'Express? Ben, l'islam. Et de ses dérives infâmes puisqu'il a mauvaise presse. Une femme envoie l'intégrale pour faire sensation, un titre en adéquation, l'islam contre la nation. Hélas, quand il parle politique, c'est guère mieux. C'est clair que l'on ne peut rien attendre d'eux de sérieux. C'est peut-être que ils se disent que c'est ce qui nous attire. Dès une tapageuse, t'as pas idée, t'as pas l'œil, t'as pas grand chose à dire. De quoi ils parlent lorsqu'ils invitent des intellectuels? Quand c'est BHL, des méchants arabes et du grand Israël. Quant à Michel, on ferait bien de lui faire fermer sa bouche. Comme lui pour qui le contredit en faisant du chantage quand il voit rouge. Le QI de George Bush et sa style libertaire. Mais ça a recours à la censure pour faire taire l'adversaire. Le bouc- grand tient une couche, dites-moi à quoi ce mec sert. L'impression de voir le diable draper dans les habits de l'abbé Pierre. De quoi parle-t-on à part le téléthon à la télé? De quoi pense-t-on à parler? De quoi peine-t-on à se rappeler? De quoi se marrer devant les omissions des médias dominants, gardant leurs émissions pour mettre en cause les puissants en dînant? On parle de quoi? On parle de rien. On parle de tout ce qui n'a rien à voir avec ce dont on parle, on tente le coup. On parle de tout ce qui pour rien au monde fera de remous. On parle de rien et on sait bien ce qu'on dit ne tient pas debout. On parle de quoi? On parle de rien. On parle de tout ce qui n'a rien à voir avec ce dont on parle. On tente le coup, on parle de tout ce qui pour rien au monde fera de remous. On parle de tout et de rien du tout.